Alors, on va essayer d'exploiter maintenant PHP Tags à la main, sans Metasploit. Alors, allons voir un petit peu ce qui se passe. On a dit... chsplot, PHP Tags... Ok... 849... 21... 65... Ok... Alors, manipulation de new value, ça a l'air pas mal ça, hein? 4, 25, 8, 59. Ok, donc il injecte un web shell, on va décompresser, donc tout est codé en URL. On passe le user agent en 4.0, ce qui est logique. Voilà, ok, donc on ne peut plus simple. rce.php dans le field lui donne ça, lui donne nouvelle valeur, et dans la nouvelle valeur vous savez qu'à chaque fois hein, on a quoi, notre query strings, on a nos query strings parameters, on a fields equal value et new value equal value, et la value c'est quoi, la seconde value hein, c'est tout le temps ce principe clé valeur clé valeur clé valeur. On a quoi, ben, on a un pass through hein, qui va nous permettre de faire un appel. Et on va injecter CMD comme paramètre file. On pourra ensuite faire du command injection. D'accord ? Ok. Donc, on va voir un petit peu. Je vous explique quand même où est le problème. C'est un problème de validation d'entrée. Voilà. Tout est là en fait. Alors, on a un include en fait. Et la vulnérabilité, c'est là qu'elle se passe. On inclut quoi ? Dans fichier, on a une arborescence, on fait notre call $get et on tape sur pfiles. Hein. Donc on voit que là, on a ligne 32, ligne 31 et ligne 2. D'accord ? Un attaqueur peut écrire de façon arbitraire les fichiers ou injecter du code arbitraire dans un fichier pour exploiter cette vulnérabilité. Hein. L'utilisateur va feinter, enfin va modifier la donnée et faire en sorte de créer un nom de fichier qui sera ouvert et qui va générer une chaîne de caractères qui sera inscrite dans au sein du fichier, dans le fichier. Un attaqueur va pouvoir écrire du code arbitraire PHP dans un fichier PHP permettant la compromission totale de l'ordinateur. Alors... Ouais, je vous explique pas plus que ça en fait. Voilà, on a le code source. Alors... Ouais. Donc si on regarde bien, en fait c'est là que c'est intéressant. On a notre include, ça tape. Hein. Dans le répertoire courant, on a une sous-arborescence. Ça fait notre get sur pfiles. Hein. On a quoi ? On a filef, pfilef, pfilep. D'accord ? Ça fait un string replace. D'accord ? Dob, png, pdf. Ensuite, on a notre header. Content type, c'est une image. Image, png. D'accord ? Et ensuite, on a nos trois ifs avec le fameux make. Hein, le fameux make, pourquoi ? Bah pour faire une image au format PNG. Donc, ça prend l'image au niveau de notre variable, get, et ça l'intègre au sein du PDF. D'accord ? Avec notre $get. Et on voit qu'on travaille, théoriquement, dans data PDF. Hein, on prend notre filef, ça c'est le PNG. Et pour l'autre, make, convert data sur PILEP. D'accord ? Puisque on veut quoi ? Techniquement, on veut qu'il y ait une miniature au format PNG et en cliquant sur cette miniature, vous l'avez compris, on va pouvoir uploader un fichier PDF contenant les données des déclarations des clients, enfin des clients, des concitoyens américains. Donc c'est là qu'on a un problème en fait. Il n'y a pas de validation de l'entrée. Si on définit le valeur PDF hein, dans Make, on peut exécuter n'importe quelle commande arbitraire en ajoutant tout simplement quoi ? Bah on va faire un bypass, hein, on va lui dire point virgule avant la commande. D'accord ? Du coup, eh ben, la première chose qu'on peut faire, c'est quoi ? C'est travailler sur notre string, on a drawImage.php, on a notre query strings, on a notre paramètre, hein, on a quoi ? On a la clé, pfiles, qui est égale à une certaine valeur. Et qu'est-ce que je peux faire ? Bah, je peux injecter. Je peux injecter pourquoi ? Parce qu'après, je peux lui mettre point virgule. On passe à l'instruction suivante.
et je vais pouvoir injecter du code malicieux PHP. On va lui injecter du passflow. D'accord ? On trouve bien la structure hein, qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on a vu ? Data, PDF. Et on pousse là-dedans. Non, c'est le cas. C'est formé. On a un hommage aléatoire et on a l'extension PDF. D'accord ? Donc on est bien là-dedans. On voit bien quand on clique quoi, sur quoi ? Bah, sur le fameux make, sur le bouton. Make. On se retrouve dans l'arborescence. D'accord ? Donc maintenant, comment on peut injecter là-dedans ? Le pfiles, je sais que ça fait PDF make. On va virer ça. Qu'est-ce que je peux commencer à injecter ? On l'a vu. Je peux commencer à pousser n'importe quoi en fait. Je peux lui dire quoi ? Pfiles, je peux lui dire ouais, Toto. Hein, ce que tu veux en fait. On passe à l'instruction suivante. Je peux faire quoi ? Écrire. Hein, je veux injecter. Donc on va faire un écho. On ouvre notre snippet en PHP. D'accord ? Et on va lui passer un PHP, un passflow. Hein, c'est possible. Ça va nous permettre de quoi ? Bah, de récupérer la valeur. Ok ? Et on veut travailler sur CMD. Ok ? Mais voilà, que vous compreniez, hein, file de Toto. Hein, pourquoi CMD ? File de Toto, ça marche aussi. Que tu comprends bien le principe d'injection de WebShell. Hein, c'est ce qui va nous permettre de faire quoi ? Bah, de l'injection de commande, tu l'as bien compris. Je referme mon code. Donc, vous avez compris qu'on vient d'injecter ce code et il faut l'écrire, d'accord ? Parce que là, je fais une injection simple, mais je veux que ça soit redirigé. Donc, on redirige la sortie. Hein. Mais le problème, c'est que là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai ouvert. Donc, il ne faut pas que j'oublie de fermer, d'accord ? Et on écrit dans quoi ? Dans backdoor. Hein, c'est un exemple. En PHP. Et n'oubliez pas, on avait quoi ? On a tout le temps, alors là non il va pas, si, regardez en bas, on a quoi ? On a deux paramètres, hein ? Bon, les query strings parameters, on a quoi ? On a pfiles qui est égal à une valeur, on a deux clés de valeur. Hein ? La première c'est pfiles avec un nom aléatoire de l'image, le fameux point .top hein, qu'on retrouve là, c'est ce qu'il nous dit, point .top, quelque chose, point .top, PNG, PDF. D'accord ? C'est ce qu'on voit en bas. Donc, qu'est-ce qu'on voit quand on va sur Make ? On a le fameux renommage avec un point .tob et on a PDF qui est égal à la valeur Make. D'accord ? Donc, il faut qu'on l'injecte également. PDF est égal à Make. Ah ! On l'encode. Ouais, avec ça. Alors, PHP tax, qu'est-ce qu'on a vu ? Si on regarde page source, ok, PHP, field, on a notre fameux table hein, qu'on voit, hein, le point table et field est égal à quelque chose. On voit les coordonnées, intéressant, picture, point table, index, qu'est-ce qu'on voit ? Image border. La SRC, ça tape dans un autre endroit. On est dans draw PHP. Intéressant. Pfiles est égal à quelque chose. Ok, pas de problème. Je vais lui dire, écoute, pfiles est égal à quoi ? Est égal à toto, backdoor.php, ouais. PDF est égal à make. Hein, ça va bien se passer, comme dirait l'autre. Et on écrit. J'injecte toto, point, virgule. Et on passe à l'injection. Et on écrit dans un fichier qui s'appelle, on a dit quoi ? Backdoor.php. Y'a rien. PHP. On va prendre, donc moi je suis en 13 000. J'ai ouvert. On va tester avec du bash. Ouais. Ce qu'on peut faire parfois, c'est injecter un cat, on va piper et on reprend notre dernière variable PDF make que j'avais oublié. L'injection marche mais le payload ne marche pas. Alors le cat en fait ça permet de pas perdre la main parce que des fois le simple fait de lire en fait hein, ça va régénérer et boucler en fait sur le fichier. On est en train de pousser, enfin sur la charge utile, pardon, qu'on est en train de pousser. Ouais, netcat, encoded, je l'injecte là,
MK FIFO. Pareil, contient des erreurs. Du beurre. Pearl Mio, on fork, on fait une boucle for each, on prend nos variables d'environnement, on redirige new IO socket, hein, donc via un inet, on ouvre le canal de communication vers ma machine 192.168.13.1000, le standard in, on redirige tous les flux vers le standard output et on écrit dans une variable, d'accord? Et on voit que ce payload, il marche. Là, ça mouline. Avant, on avait le message d'erreur, d'accord? Et là, on récupère bien la main. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez que parfois, vos charges utiles peuvent fonctionner comme elles peuvent ne pas fonctionner. Là, c'était vraiment celle-là. Liner, hein, mais il faut bien comprendre comment on ouvre un socket. Hein, donc c'est le principe. Si je vous le traduis vite fait. Donc socket est un mécanisme Unix de Berkeley permettant de créer une connexion duplex virtuelle entre deux différents processus. Ça a été porté sur tous les systèmes d'exploitation connus permettant la communication sur les différents logiciels du système d'exploitation. Donc sans la prise, mais je pense que c'est mal traduit, il veut dire le socket, ouais. La plupart des communications réseau entre les systèmes n'auraient jamais lieu. Donc, un système informatique typique sur un réseau reçoit et envoie des informations comme souhaité par différentes applications qui s'y exécutent. Ces informations sont acheminées vers le système car une adresse IP unique lui est désignée. Rien de bien compliqué. Sur le système, ces informations sont données aux applications concernées qui écoutent sur différents ports, par exemple le port 80 hein, pour du HTTP, les informations reçues du serveur web, et nous pouvons également écrire nos applications personnalisées qui peuvent écouter, envoyer, recevoir des informations sur un numéro de port spécifique. Nous, c'était le 8080, et là, dans mon payload, j'ai ouvert le port 1000, d'accord, pour recevoir les informations. Donc, un socket est une adresse IP avec un port qui va permettre la connexion pour envoyer, recevoir les données sur un réseau. D'accord? Donc pour créer, qu'est-ce qu'on va faire? Le serveur, moi je l'ai pas fait. Le serveur, qu'est-ce que c'est? Mon listener. Ça c'est mon serveur. Hein, c'est mon listener, il écoute sur le 1000. Donc lui, il a déjà établi tout ça, si tu veux. Je reviens dessus. Lui, il a déjà établi tout ça. D'accord? Socket, il fait un bind listen. Il fait un bind listen sur le quoi? Sur l'adresse IP 192.168.13, mon adresse IP sur le port 1000 que je lui ai donné. Ok? Par contre, là, j'ai poussé quoi dans le navigateur? On a poussé en Perl, en one liner, quoi? Une demande de connexion. Ok? Du client vers le serveur. D'accord? Donc, bah, on établit la communication. Okay, il se connecte, read-write data, et il redirige en fait. Hein, read-write data, et nous, là, on a fait pareil. On a fait une redirection des flux. Donc tout ce qui rentre par là, sort par là. Tout ce qui rentre par là, sort par là. C'est le principe du tunnel. Hein. On a pipé toutes les commandes, et c'est ce qui nous permet, eh ben, de quand je tape là, ça sort de l'autre côté. Hein. De l'autre côté, quand je lui demande des informations, ça sort ici, sur ma machine. D'accord? Donc voilà, c'était comment récupérer la main à la mano, sans exploiter, en effet, comment dire, le Metasploit, ok?